C'était le soir tard, on n'avait pas très faim, alors on a pris deux soupes, pas très bonnes, avec du soja et un peu de crudité. On sortait d'un film, si je me souviens bien, pas très bon non plus. On allait rentrer. Pendant que Barbara payait, j'ai allumé le téléphone portable, il y avait un message. C'était ma sœur. Papa vient de faire une hémorragie cérébrale, on est à l'hôpital avec maman. La voix de Claire était gonflée de sanglots quand j'ai finalement réussi à la voir à la maison. Les médecins ne lui donnent que quelques heures, c'est la fin. Papa avait un cancer de la vessie déclaré depuis août. On l'avait appris avec Barbara le jour de notre tour d'Italie. Ça m'avait déjà pas mal secoué. Claire, Lionel et moi, on avait fait face tous ensemble. Il avait suffi d'une opération en novembre et hop, plus de vessie. Papa devait s'habituer. Fier comme il était, ça ne devait pas être simple, mais bon. Une poche plastique à vider toutes les deux heures au début, et progressivement toutes les trois, puis toutes les six heures. Et puis ça avait été le coup de massue, ils avaient trouvé des métastases sur un poumon et sur les reins. Cancer généralisé. Fin février, début mars 2000, papa est venu rendre visite à ses trois enfants, tous expatriés à Paris. Il a alors fait une flébite sans qu'on s'en inquiète, nous, ses enfants, et puis retour à Saumur, hôpital. À l'hôpital, papa était assis là, la voix endolorie, mais le même que j'avais quitté deux jours auparavant. J'ai dit deux, trois bêtises, histoire de faire rire tout le monde. L'aumônier était là, c'était une femme. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai dit clown. Dans le couloir, maman et ma sœur à part, elles sont profondément choquées par leur nuit sans sommeil. Les médecins ne lui donnaient que quelques heures à vivre et il est là, souriant. Le bonheur de nous voir tous, je crois. L'après-midi, il retombe dans le sommeil sourd. Il chantait dans une chorale, il vient à quelques-uns chanter dans la chambre, puis un foutu prêtre s'amène pour une sorte de cérémonie funèbre qui ressemble à l'extrême onction, ce que les catholiques considèrent comme le dernier sacrement avant le dernier souffle. Non, je m'embrouille. C'était peut-être un peu plus tard, quelques jours après, je ne sais plus très bien. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce film, parce que j'ai déjà oublié tout, parce que ma mémoire fout le camp à une vitesse dégueulasse, et que ce qui me reste, c'est quelques images fortes. Une image forte surtout, l'image de son cadavre qui est resté trois jours à la maison, dans la pièce où il passait ses journées depuis sa retraite, la salle à manger où il écoutait de la musique, où il s'assoupissait après manger, où il veillait tard quand on avait des visites en somnolant le sourire aux lèvres. On s'est relayés tous les quatre à son chevet à l'hôpital, maman, Claire, Lionel et moi. L'un après l'autre, on a fait à pied les 2 kilomètres qui séparent la maison de l'hôpital au-dessus du coteau, avec un beau panorama qui ne nous réconcilie avec rien du tout. Papa n'a plus parlé, puis il n'a plus bougé. Un jour, il ne répondait plus que par oui ou par non. Après un temps, je lui ai demandé « Est-ce que tu as peur de mourir ?» J'avais besoin de croire que c'était toujours pareil, que je pouvais toujours lui poser des questions pour le provoquer. Il m'a répondu « Non ». Depuis ce moment-là, je n'ai plus fait que le toucher. Je n'ai jamais autant touché papa que la dernière semaine de sa vie. Lui touchait le crâne, les mains, surtout la droite qui répondait plus que l'autre. Je me suis blotté une fois contre lui. C'est là, et là seulement que j'ai compris que ce qu'il était pour moi, personne d'autre jamais ne pourrait l'être. Alors je me suis contenté de l'aimer, sans rien intellectualiser du tout, sans le juger, sans penser à rien. L'aimer, il ne restait que ça. Si jamais il l'a senti. En regardant dans ses papiers, on n'a pas trouvé grand-chose de nouveau. Papa était un homme simple, ordré, maniaque, sans double fond, sauf un petit agenda minuscule avec une écriture pâte de mouche au crayon de bois. En 1957, à l'âge de 25 ans, il faisait l'armée en Algérie, c'était la guerre. Vendredi 26 avril, cours ce matin en armes, en cas d'intervention sur le marché. Dès 14h, orage, grêle en trombe, puis toute l'après-midi, ce soir, ça tombe terriblement. Quel temps, ça donne le cafard. J'ai raccommodé un caleçon et j'ai lu. Pas de lettre encore, RAS. Samedi 27 avril, matin, rien fait, après-midi, patrouille près d'Armela. On a crapahuté comme des forcenés, je suis crevé. Avion ensuite nous a survolé, annonçant qu'il y avait embuscade. On y fonce en camion, on s'embourre près de la ferme Sora. Retour sous une pluie battante, éreinté, RAS. Mardi 7 mai, départ 7h30, allons sur Birine et prenons piste. Pour aller sur un terrain de combat entre FLN et MNA. Trouver un cadavre et de nombreux étuis ainsi que de nombreux impacts et des emplacements de combat. Rentrer à 11h. Mardi 28 mai, appris avec surprise que la compagnie a accroché les FLN. Coup, 26 morts et de nombreuses armes et munitions de récupérer. Pour nous, un mort et un blessé grave. Après-midi, patrouille à l'école. Soir, coup de pistolet mitrailleuse retiré. Tout le monde en état d'alerte pendant 15 minutes, tout s'est calmé, RAS. Mercredi 29 mai, vu les armes prises aux rebelles dimanche. Après-midi, patrouille sur l'école. J'ai revu tous les petits qui sont adorables. Autrement, l'instituteur a une forte fièvre en rentrant. On a fait ensuite de la voiture, du cheval. Samedi 22 juin. Départ à 4h du matin en opération dans le Kef. À midi, on embarque et on va sur Armeland et ensuite sur les lieux de l'autre opération. Nous sommes en protection de tous les camions. On creuse un trou et on se couche dedans. Mal dormi, il faisait froid. Dimanche 23 juin, levé à 5h, départ à 9h vers un village qu'on a fouillé. Ils ont tapé sur un arabe devant moi et j'ai manqué de leur filer une rafale de pistolet mitrailleur. Puis on est entré au camion. Entendu au poste les 24 heures du Mans, rejoint ensuite Aïn Boussif. Lundi 24 juin, arrivé à 21h, nous sommes repartis à 1h du matin dans le caf avec les parades Bijar. On s'est arrêté à 14h et on est rentré à 19h à Aïn Boussif sans être arrêté de marcher, rentré complètement éreinté. À la fin de son carnet, il a inscrit quelques notes sans date. À Alger, un arabe pêchait dans le port, un soldat à pied noir le pousse à l'eau, il y tombe et remonte. Autre note. En cours de route,
Un arabe propose des oranges. Il a dévalisé et non payé. Autre note. Il vaut mieux tuer un arabe que de lui voler son portefeuille. Signé l'adjudant en chef. Autre note. Le lieutenant disait en parlant d'un arabe qu'il venait d'interroger et de torturer. Lorsqu'un arabe dit « Même si c'était mon père, je te le dirais. » Ou bien « Tue-moi, mais ne me fais pas tant souffrir. » C'est qu'il sait quelque chose. Papa était dans la salle à manger, sur une sorte de longue table basse, inclinée vers nous sur roulette. Les deux jeunes employés des pompes funèbres l'ont amené ici. On met le drap blanc pour recouvrir ses jambes ou non? Vous voulez qu'on lui croise les doigts ou vous préférez une main sur l'autre? Je voyais son visage, là, jaune cadavre comme à l'hôpital quand il n'y a plus eu de souffle. Son visage l'a défiguré. J'ai gueulé. Qui s'est occupé de son visage? Qui lui a fait ça? Serré dans son costume noir qu'il s'était acheté quelques semaines avant d'aller à l'hôpital, papa nous montrait déjà le visage de la mort, une sale tête qu'il ne faudra jamais oublier. J'ai fini par l'avoir au téléphone, le type qui s'est occupé de la figure de papa. Il filait sur les routes vers un autre cadavre à 100 km. J'ai été correct mais intraitable. Il avait fait du bon boulot, mais ça ne nous convenait pas du tout. Je ne voulais pas que les gens qui allaient défiler à la maison aient ce visage à conserver de lui. Il devait absolument revenir le plus tôt possible. Ça sonne. C'est un grand type, 35 ans, hyper nerveux, bourré, avec un gros cartable noir, comme le médecin de famille du temps jadis. Il exerce le métier de thanatopracteur. Il remodèle les corps, les visages de ceux qui, une fois morts, ont été déformés par la maladie. C'est un métier essentiel pour les chefs d'État, par exemple. Mon père, c'est la routine. Je lui montre papa le corps. Je ne remets pas en cause votre compétence professionnelle, seulement là, ce que je vois, c'est un cadavre. J'aimerais bien peu retrouver mon père. Avec moi, il y a Lionel et maman. Le thanatopracteur nous regarde quand je lui parle. Je prends le visage de papa et je lui montre les joues. Là, vous voyez, ça ne va pas du tout. Les joues creuses, les lèvres pincées, le sourire, ce n'est pas du tout lui. Vous ne pourriez pas renforcer les joues et puis... Il nous regarde toujours, mon frère et moi. Je vous regarde tous les deux pour la physionomie des lèvres. Elles sont plus charnues, effectivement. Je vais... Oui, oui, là, les joues, et puis là, les lèvres, je ne peux pas trop tirer sur la lèvre supérieure, déjà le corps se fige. Et bientôt, ce que l'on fera en trop sera irrémédiable, vous savez. Extrêmement nerveux, il a le visage en sueur. Je le regarde en n'arrêtant pas de tourner autour du cadavre. Je suis dans un état d'excitation, moi aussi, qui confine à la folie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre en scène le cadavre de mon propre père. Je veux qu'il ressemble très précisément à l'idée que je me faisais de lui avant sa mort. Je tourne en rond dans le couloir en attendant qu'il ait fini. Il a d'autres chats à fouetter, lui fout la paix. Ça va, ça ira, merci, salut. Les proches se sont succédés devant le corps de papa à la maison. Les 18 ans de ma vie passés ici, je les ai vus défiler au gré des gens qui sont venus. Tous ensemble, ramassés. Des collègues, son patron, des amis, ceux du Limousin, de la Mayenne, la famille d'Alsace, toute la famille de Saumur et d'ailleurs. Des amis juifs, des amis anglais, de mes amis proches. Tous en même temps, de manière complètement surréaliste. Tous ces pleurés. Il y avait eu toutes ces fleurs, les condoléances par lettres, les préparatifs de funérailles. Les pompes funèbres, les annonces dans les journaux, lesquelles, combien de lignes, font part de leur tristesse ou sont peinés de vous apprendre. Le cercueil à 4000 ou le cercueil en merisier à 7005, plus les frais, plus le creusement de la fosse, ça fait un total de... Quand j'ai porté le cercueil avec mon frère, j'ai eu l'impression de faire quelque chose d'important dans ma vie. C'est comme si en le faisant, je me voyais en train de le faire. C'est l'image qui, en la vivant, m'a le plus hypnotisé. C'était unique et indélébile.